Et voilà, si nous pouvons juste fermer les yeux, c'est une petite méditation juste pour ancrer cette idée dans notre esprit que quand nous accusons à tort parce que notre perception a été très sélective. Pensons maintenant légèrement à quelqu'un qui vous a fait mal et dont le souvenir peut toujours vous perturber. Recentrons-nous dans le calme de notre esprit. Et dans cet endroit calme, essayons de faire venir à notre esprit ça peut être une petite contrariété où nous avions l'impression que l'autre a été peut-être égoïste, nous a ignorés, n'a pas pensé à nous, ou une situation d'injustice franche, ou une situation où une autre personne est souffrante. Et vous avez l'impression que la personne en fait un peu trop. Elle ne cherche pas une solution intérieure pour radoucir sa souffrance. Maintenant, sans nous culpabiliser, acceptons doucement la suggestion que le mal-être que nous ressentons à l'égard de cette personne ne vient pas de ce que cette personne nous a fait, ne vient pas du comportement de cette personne. Suggérons-nous l'idée que le mal que nous ressentons ne vient pas de ce que cette personne a fait ou n'a pas fait, ou la façon dont cette personne se comporte, ou même la difficulté que cette personne traverse. Cette personne, pour ses propres raisons, à cause de ses propres difficultés, à cause de sa propre confusion, à cause de ses propres peurs, à cause de ses propres sentiments de manque et d'injustice et de vulnérabilité, a agi d'une façon inconsciente, peut-être égoïste, et peut-être blessante. Si la personne n'était pas calme, rassurante, confiante et en paix, alors clairement cette personne n'était pas dans le souvenir du Christ en elle, mais dans l'emprise de son ego, ce qui est une condition très douloureuse. Nous pouvons mieux comprendre maintenant l'origine du comportement de cette personne. Et nous pouvons voir notre propre comportement et mieux comprendre comment nous avons été tentés de croire que les actions, les agissements de cette personne nous avaient fortement affectés, au point de croire que cette personne était la source de notre mal-être.
Et maintenant, nous déterminons de lâcher prise de cette perception, de cette interprétation, pour pouvoir permettre à une autre vision de cette personne à naître dans notre esprit. Très bien. Maintenant, si nous pouvons avancer encore un petit peu.